faut que toutes les informations concernant le drone soient préparées à l'avance. La Chine paierait une fortune pour mettre la main sur ce drone. Bon karma, DeFalco. Bon karma. La cyberarme. Hé, là, juste là, tu vois ça? Cherche une correspondance dans les logos commerciaux des États-Unis. Aucun résultat. Étends la recherche. Attends un peu, regarde ça. C'est Colossus. L'arme Garma est sur une ville flottante. C'est comme ça qu'ils peuvent approcher du continent. Salazar prépare une équipe d'intervention. Déploiement dans 60 minutes. Préviens l'amiral Briggs. On est à deux doigts de choper Menendez. Si on veut avoir le dessus, il faut que je parle à celui qui en sait le plus. Je vais voir Woods à la voûte. Pour l'instant... Karma. Icarus 9, permission d'atterrir sur le pont 7. Maintenez le cap actuel, tout est OK. Bien reçu. Icarus 9, j'amorce la descente. T'es en ligne, Farid. Tout le monde t'écoute. OK. Les bracelets vous identifient comme inspecteur du syndicat. Vous aurez accès à la plupart des zones, sauf celles qui nous intéressent, évidemment. La sécurité a été renforcée dans le secteur des archives centrales. On ne peut y accéder que suite à un scan rétinien. Et là, Ziggy intervient. En gros, les archives sont notre meilleure chance de trouver Karma avant les hommes de DeFalco. Farid, t'as pu accéder au dossier du personnel ? Pas encore. Le cryptage est hautement sophistiqué. T'es malin ? Je te fais confiance. Terminé. Donc on a droit à ça quand on est riche. Si on n'était pas en mission, je parie que je pourrais passer un moment chaud avec toutes ces meufs. T'as oublié le Pakistan ? Je crois que ta gueule les ferait fuir, Harper. Hé, parle pas de ma gueule. C'est mon corps de rêve qui les fait fantasmer. Les ASD, vous croyez qu'ils sont en alerte? C'est la ville la plus riche du monde. Ce qui en fait une cible potentielle de Cordis Dié. Nous vous prions de rester dans la zone d'inspection jusqu'à ce qu'un agent de sécurité vous permette de... Ok, restez calme. Restez où vous êtes. Le scanner a détecté la présence de matériaux dangereux. Oh, hé, c'est juste un malentendu, ok? Oh, hé, on fait partie de l'équipe de rénovation. Ça vient sûrement du chantier. Monsieur, veuillez rester où vous êtes. Peter, si tu veux venir voir, on a un petit problème. Bordel, Farid. J'ai cru qu'on était grillé cette fois. Relax, Harper. Je vous avais dit que l'écran fonctionnerait. Les scanners n'y ont vu que du feu. Ok, maintenant montrez vos bracelets et souriez. Bonjour mesdames, on est du syndicat. C'est tout? Les gens font pas grand chose à Colossus. C'est quoi ça? Bonjour à vous, messieurs. C'est un système automatique, il est déclenché par tes données biométriques. Va droit en enfer, là. Visez-moi ça. Faut vraiment le voir pour le croire, hein. Hé, à votre avis, ça coûte combien un week-end ici? Plus que ce que tu gagnes en un an. Ah vache. Pas étonnant que Menendez ait autant d'amis. Harper, inspecte la zone. Salazar et moi, on avance au point d'insertion. Bien reçu. Hé, 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 comment ça va, ma jolie? Va te faire foutre. Cet étage est réservé au personnel autorisé. Présentez votre identification. Pour l'instant, ça va. Hé, hey, vous n'avez rien à faire là! On est du syndicat! Ok, section, je suis dedans. Je t'écoute.
Colossus a récemment engagé une société militaire privée pour renforcer ses équipes de sécurité. Des ex-miliciens cubains. Sandek, on vient de faire leur connaissance. Ok, Ziggy, c'est à toi de jouer. Harper, des mercenaires ont réussi à infiltrer la sécurité. Ils sont hostiles. Cherche tout ce qui te paraît suspect. On doit connaître leur objectif. C'est compris. Fais attention au fossé. Ziggy peut le franchir. Attends. Qu'est-ce qu'il fabrique ? Il pose des explosifs. Ils vont faire sauter le bateau. Pas avant d'avoir récupéré Karma. Harper, fais gaffe! Les mercenaires posent des explosifs un peu partout. Je suis en train de suivre un groupe, là. Et ils se dirigent vers vous. Et merde! Il faut pas qu'on reste ici. Ok. Voilà la cible. Crie-le, section! Scan en cours. C'est les mercenaires! Harper, t'avais raison! Ils sont déjà dans la salle des serveurs! On y va! Allez! Allez! Accès autorisé. Prêt? Ennemis traversant la puerta! Go! Go, Blitzer! Contre-attaque! C'est bon! Farid, il me faut un moyen d'identifier l'ennemi. Associe les mercenaires des dossiers du personnel à leurs données biométriques. Envoie les données sur mon ATH. Je m'en occupe. J'établis la liaison. T'es sûr de ton coup, Farid? Je croyais que tu me faisais confiance. Ok. On y est. L'arme Karma est peut-être arrivée clandestinement avec les cargaisons habituelles. Recherche liste des marchandises. Mot-clé Karma. Ah, rien. Bon, recherche système de sécurité automatique. Mot-clé Karma. Ah, on passe à côté d'un truc. Recherche données des caméras de surveillance, reconnaissance textuelle, Karma. Là. Karma n'est pas une arme. C'est une femme.
Chloé Lynch, ancien employé de Tacitus. Démission récente. Maintenant qu'on a son nom, on devrait pouvoir la localiser sur le bateau. En haut, Club Solar. Section, t'entends ça? Y a des mercenaires derrière la porte. Farid, on a des ennemis à l'extérieur. On n'a pas le choix. Ouvre la porte des archives centrales. Harper, Karma n'est pas une arme. C'est une femme. Je vais t'envoyer sa photo. Je l'ai. C'est la fille que j'ai vue près de l'ascenseur. Elle est au Club Solar, mais t'as intérêt à faire vite. Les mercenaires sont sur le point d'accueillir. Je m'en occupe. On se sépare. Toi, tu vas prendre l'ascenseur jusqu'en haut. C'est compris. Je vais rejoindre Harper. Chloé. Quoi, vous? Chloé, vous devez venir avec moi tout de suite. Qui, vous? Et comment vous savez que je suis ici? Je suis Mike Harper, des Navy Seal. Je vous préviens, vous approchez pas de moi. Ok, écoutez bien. Votre vie est en danger. Des terroristes sont là pour vous enlever. Des terroristes? Mais qu'est-ce que vous racontez? Chloé, ils travaillent pour Raoul Melendez. Emmène-la, Harper! On va vous rejoindre! Hé! Hey, pourquoi il fait pas la queue, celui-là? Parce que c'est un VIP! Désolé, on est passez une bonne soirée. Harper, où est-ce que t'es? On est sur la piste. Je te rejoins. Section, je suis en position sur le balcon du club. Il faut partir maintenant! Section! J'en compte au moins 10! Ils prennent des otages! Chloé Lynch! Il a des otages! Chloé! Ne tire pas! Salazar, descends-le! Négatif! Il y a des signes partout! Chloé! Non! Fais volonté! Thank you.
faut buter cet enfoiré. À gauche, à gauche! En avant! Passez par la porte! C'est bon! Ok! C'est Falco Junkerman! On est après lui! Farid, il faut que tu suives leur déplacement! Ils doivent pas quitter le bateau! Je me connecte aux caméras de surveillance. Hélico banalisé. C'est les hommes de Melendez. Des mercenaires. Il y en a des dizaines. Hé, là. Juste là. Tu vois ça? C'est lui. C'est lui. Merde, j'ai plus d'image. T'es pas quoi à brouiller le signal. Il a piégé le bateau. On y va, on l'intercepte dans l'atrium. Qu'est-ce qui se passe? On est des névisiles. Écoutez, vous allez ouvrir l'arsenal, équiper vos gars et vous préparer au combat. Hé, 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 regardez-moi, du calme, ok? Vous devez faire votre... D'accord, d'accord, l'arsenal de sécurité. Qu'est-ce qui se passe? Cet enfoiré de DeFalco a fait sauter une bombe devant le nightclub. Il a la fille. Connecte-nous aux caméras de surveillance de ce pont. Commercial. On y va. Ils sont prêts à tout pour choper cette fille. Farid, DeFalco va tout faire sauter. Il est toujours à bord, ce fumier. Je suis pas sûr. Attendez. Il faut qu'on rattrape cet enfoiré de DeFalco. On va pas le rattraper. Ce connard commence à me les briser, c'est vrai. Farid, brouille le détonateur de DeFalco. Je fais ça tout de suite. Farid, tu peux pirater un ASD au terminal numéro 55? Terminal 55, je l'ai. Ouvre-moi ça. Réglage des paramètres, surveillance et protection.
Les défenses ont été reprogrammées pour répondre à une attaque terroriste. Les systèmes considéreront tout individu armé comme hostile. Ça inclut les ennemis ? Tout individu armé. Au moins, il n'y a pas que du mauvais. Rix va piquer une crise si Defalco emmène Chloé. Les Falcons s'est donné beaucoup de mal pour attraper cette fille. Il n'hésitera pas à faire couler Colossus rien que pour couvrir ses traces. On doit retourner à bord de l'Obama. Faut savoir pourquoi Menendez tient à cette fille.